Coucou les amis, bon, je viens vous faire les associations de Mademoiselle Lenormand. D'accord? Donc, on va commencer par la carte 1, le cavalier. D'accord? Donc, si vous voulez connaître la définition, j'ai fait des vidéos de chaque carte. D'accord? Là, on passe aux associations. D'accord? Donc, quand même, le cavalier, je vous dis, voilà, elle apporte un message. Hein, c'est quelqu'un qui apporte les nouvelles. Voilà. Bon ou mauvais, ça dépend de ce qui l'entoure. Donc, on va voir avec les associations, voilà, et ça peut aussi représenter quelqu'un qui arrive vers nous, d'accord? Voilà. Alors, carte 1, on est bien d'accord, c'est, voilà, cavalier. Donc là, 1, si vous sortez la 2 à côté, c'est la chance arrive à vous. Si c'est la carte numéro 3, vous vous éloignez de certaines personnes. La 1 plus la 4 à côté. Vous allez recevoir de la visite dans votre foyer. Avec la carte numéro 5. Un visiteur plein d'énergie arrive vers vous. Avec la 6. Un visiteur va venir créer de la discorde. D'accord? Donc des ennuis, des provocations. Avec la 7, un visiteur va provoquer des tensions et de la jalousie. Avec la carte 8, vous aurez un visiteur qui est en deuil. Avec la 9, vous allez avoir la visite d'une personne heureuse. Avec la carte 10, ce sera un visiteur non souhaité, quelqu'un que vous ne voulez pas voir. Avec la carte 11, vous aurez un visiteur, mais qui est querelleur. D'accord? Voilà. Avec la carte 12, un visiteur qui parle trop, d'accord? Une visite de quelqu'un qui parle beaucoup trop. Avec la carte 13, la visite d'un enfant. Ou, si vous voulez être parent, il y aura la possibilité d'une grossesse, d'accord? Voilà. Avec la carte 14, il y aura un changement dans le travail. Avec la carte 15, il va y avoir une rentrée d'argent. OK? Donc, on parle bien de la 1, toujours avec la 1. OK? Avec la carte 16, ce sera un visiteur qui sera calme et serein. Avec la carte 17, ça sera la visite d'une dame, par exemple de votre maman. Avec la carte 18, c'est la visite d'un ami. Avec la carte 19, ça sera une visite administrative. Avec la carte 20, il va y avoir une ascension sociale. Avec la carte 21, vous allez avoir la visite de quelqu'un qui est distant, qui est inabordable et qui est inaccessible. Avec la carte 22, c'est une personne que vous attendez, une personne attendue qui va arriver. Avec la carte 23, vous attendez quelqu'un, mais il ne vient pas. C'est un visiteur qui ne viendra pas, qui ne vient pas. D'accord? Avec la carte 24, vous allez avoir la visite d'un amoureux. Avec la carte 25, donc toujours la 1, d'accord? Avec la carte 25, vous savez qu'il y a 36 cartes. Donc là, je commence déjà par la 1, le cavalier, et avec toutes les cartes. Donc avec la 25, c'est la visite de quelqu'un qui fait partie de votre famille.
Avec la carte 26, c'est une visite secrète. Avec la carte 27, il y a des nouvelles qui arrivent. Avec la carte 28, ce sera un monsieur qui est porteur de nouvelles ou qui en reçoit. Avec la carte 29, une dame qui est porteuse de nouvelles ou aussi qui en reçoit. D'accord? Avec la carte 30, c'est un visiteur qui est correct et distingué. Avec la carte 31, c'est une visite à un visiteur très agréable. Avec la carte 32, c'est un visiteur qui est psychologiquement perturbé. D'accord? Qui a des problèmes psychiques. Avec la carte 33, vous allez trouver une solution à vos problèmes. Avec la carte de 34, il va y avoir un changement de travail si vous êtes indépendant, par exemple. Avec la carte 35, vous avez l'assurance d'un visiteur sûr, d'accord ? C'est sûr qu'il va venir, ce visiteur-là, ok ? Et avec la carte 36, vous aurez la visite d'une personne qui est très malheureuse. Voilà, donc j'espère que vous avez tout compris. Voilà, alors, comme la vidéo n'est pas très longue, je vais essayer de vous faire la 2 aussi. Mais bien sûr, je ne trouve plus ma carte 2. Alors, 4, 10. Donc la 2, vous savez que c'est la carte du trèfle, hein, que c'est une carte positive. D'accord? C'est celle-ci. Donc, c'est une carte qui annonce la chance, la réussite et la réalisation. D'accord? Voilà. Donc, avec la 1. Voilà, par exemple, vous sortez ça et ça, d'accord, avec la 1, c'est une visite chanceuse. Avec la 3, un déplacement agréable. Avec la 4, vous avez de la chance dans votre foyer, si vous êtes un foyer chanceux. Avec la 5, ça vous ramène la sérénité et le bonheur, d'accord? Avec la 6, vos soucis sont passagers. Avec la 7, c'est jaloux et chanceux. Avec la 8, votre période de chance est terminée. C'est fini la période de chance. Avec la 9, vous avez de la chance et vous êtes dans le bien-être. Avec la 10, il va y avoir une brusque fin de la sérénité. Avec la 11, c'est une chance qui porte malheur. Avec la 12, vous aurez de la chance due à des bavardages. Avec la 13, il y a un enfant chanceux. Avec la 14, un travail qui apporte une rentrée d'argent. Avec la 15, vous aurez de la chance due au hasard. Avec la 16, il y a la chance, il y a la tranquillité. Avec la 17, une chance qui va créer des changements. Avec la 18, il y a un ami chanceux. Avec la 19, il y a une administration qui va vous apporter une chance. Avec la 20, vous avez une chance avec un ami et dans le social. Avec le 21,
vous avez la chance qui est ternie par un obstacle. Avec la 22, vous avez choisi le chemin de la chance. Avec la 23, vous gâchez votre sens. Avec la 24, vous avez l'amour chanceux. Voilà. Avec la 25, vous allez vous êtes dans une union chanceuse. Voilà, amoureuse et chanceuse. Avec la 26, ça va être une chance que vous allez garder secrète. Le 28, c'est un monsieur qui est chanceux. Le 29, une dame qui est chanceuse. Avec la 30, vous avez de la chance et de la distinction. La 31, vous avez de la chance et vous êtes dans le bien-être. Avec la 32, vous avez de la chance, mais il y a toujours la tristesse qui est quand même présente chez vous. Avec la 33, le problème est résolu grâce à une chance inespérée. Donc, quelque chose d'inespéré qui arrive. Avec la 34, vous avez de la chance au travail. Avec la 35, vous avez une chance ancrée et bien gardée. Avec la 36, c'est la fin de période de chance à cause d'un malheur. Voilà, donc j'espère que c'est clair. Voilà. Donc, on aura déjà fait la 1 et la 2. Dès que je peux, je viendrai faire le reste, d'accord? Mais, voilà, malgré que c'est Noël, moi, aujourd'hui, j'ai bossé et bossé comme tout le temps. On ne change pas une équipe qui gagne, d'accord? Donc, je vous laisse déjà copier les associations du 1 avec les 36 cartes et du 2 avec les 36 cartes. Donc, je pense que déjà, ça va aussi vous occuper. Voilà. J'essaye de venir faire un live tout à l'heure, d'accord? Voilà. Je vous fais des gros bisous et je vous dis bye bye.